Arnold Fuma. Bolanda Congo Direct TV officiel avec David Mumbele. Arnold Fuma. Boza la calme dossier Vital Kamerhe papa yoyo azana makala ko bimate. Soki lelo na mbongo yo ndeko Vital Kamerhe azui ebele ya mbongo wana asali misala wana ti. Soki lelo ebimati na signature ya chef de l'état. Soki lelo etanga miki atangi justice memi eti na nifo ke atangi na komo ya Félix Nakati wana e ozala boni. Kamerhe n'est pas la première personne ya ko kende na makala na programme 100 jours. On avait arrêté le directeur général de Safricas. On a arrêté l'ancien directeur général de Rao Bank, qu'on appelle Monsieur Thierry. On a arrêté le directeur général de l'office des routes. Attention, attention, tous les Balouba, entre parenthèses, les Kassaïens qui résident, Bukavu et les 8 territoires, sont obligés de quitter le site de Kivu dans les 48 heures. Et papa David, aux journalistes, Mayele, français, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le président de la République a promis au peuple congolais d'établir un état de droit. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Arnold Fuma. Bienvenue sur 3xW Congo Direct. Alors, na direction ya machine tozali na Arnold Fuma na micro ezali ndeko na bino molobe na bino na Congo ya David Mumbele Kosi na Yuda. Alors, tobengi Congo bato bazali na kati ya Congo, bato bazali mieux placé pour na ko expliquer biso situation nini ezali ko leka siko na République démocratique du Congo. Tozana ndeko na biso Chole na micro. J'espère Chole azali papa o bomo na ke presque partout na émission nyonso na makambu etali IDPS. Papa Chole, bonjour. Bonjour papa David Mumbele, le journaliste international. Merci Ozali na micro ya 3xW Congo Direct TV. Alors, boni eta ya mboka kuna na République démocratique du Congo. Mboka ezali kitoko, mboka ezali malamu, établissement état de droit et bandi na kati ya cabinet ya chef de l'État avant de fouiner le passé. Maintenant, je vous dis d'avance que le procureur vient de rejeter la remise en liberté de M. Vital Kamerhe. Nous attendons la verdict des juges. Ok, d'accord. Ndeko Chole, vous allez mieux placer parce que vous allez moutou ya politique, nakati ya IDPS, vous allez pe moutou oyo a ebaniman mingi na makamu etali ya mboka na biso. Il est l'autre kolo ba état de droit nenge yo moko obandi wano lobi ke juge a rejeté yango. Alors, pour la liberté provisoire, ya ndeko ya Vital Kamerhe. Est-ce que état de droit ebandi kake pa ya Vital Kamerhe na kati ya bureau ya président de la République ou bien il fallait ebanana nou pe na libanda? Oyebi papa David oza journaliste amayele ba français ba yebisa biso ke la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le président de la République a promis au peuple congolais d'établir un état de droit. Ce qui président de la République a bandi ko luka bato ba yiba ki avant yaza la président de la République ba koloba ke chasse à la sorcière. Président de la République a bandi nanu na kati ya maison et na kati ya maison a bandi nde singa ezali mulayi. Na koyebi sape bandeko balandaka information ya ndeko na biso David bao bako landa biso en direct ke dossier ya Kamerhe singa ezali mulayi ekobenda pe ekobengisa bato oyo nyonso peuple congolais azolinga babengisa l'avenir nous donnera raison. Ok, ndeko Chole, soki siko ebandi epa ya Vital Kamerhe, est-ce que soki lelo Vital Kamerhe biso bakangeli nanu Vital Kamerhe ezali par rapport ya nini? Bit bakangeli Vital Kamerhe eza par rapport ya programme ya 100 jours lancé par le président de la République oyo mbongo ebimaki pona construction ya baso de mouton, construction de maisons préfabriquées pour des militaires et des civils sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo nde dossier wana mbongo ebima memisale salemate parce que sur voie officielle ya gouvernement.
le ministre ya finance a salaka déclaration ko lobaité nous avons déjà décaissé plus de 75% ya mbongo pour na programme ya 100 jours mais sur le terrain to sali ronde ya misala ya programme ya 100 jours to moni ke misala et salemi kaka ya 4% tous les 71% mbongo ke na ba poche ba ne ba enquête banda ki dit Kamere n'est pas la première personne qui a kokende na makala na programme à 100 jours. On avait arrêté le directeur général de Safricas. On a arrêté l'ancien directeur général ya Rao Bank qu'on appelle Monsieur Thierry. On a arrêté le directeur général de l'office des routes. Tango bakangi bango. Du fait que Kamere c'était un fonctionnaire de l'État comme directeur du cabinet du président de la République, batangi bakombo ya Kamere na bato bazana na prison tilelo avant Kamere a rejoindre bango. C'est pourquoi le procureur a réuni tout les preuves tangibles ne à Ben Saki Vital Kamere. Ok, lelo moi n'amboka chole au monite que ekoza la séparation te entre parti politique ya Vital Kamere na parti politique ya Bino ya IDPS. Bon monite que séparation mo ezosala masikoyo. Séparation mo ezosala maté parce que avant l'arrestation de Vital Kamere le secrétaire général AI de l'INC bakenda ki bakutana na président de la République avant arrestation à Vital Kamere le mercredi. Objectif ya rencontre na bango ezalaki comment to garder unité ya tâche. Et le cash a deux parties et principales, c'est l'IDPS premièrement et l'INC. Bah, selon le président de la République, a dit que quand on est arrivé à Nairobi, on a signé un accord avec M. Vital Kamere pour ne pas trahir le peuple congolais. Donc on fondait entre accord et relation à des individus avec les principes de l'État. Ça c'est le principe de l'État. Donc, et beaucoup fois, néanmoins, je répète que bande corabie sur l'INC, baluba que nous ne voulons plus de l'État des droits. En ce moment, on peut comprendre. Mais le corps bande quoi l'INC, bah ça là qui communiqué officiel na bango, baluba que nous sommes d'accord pour l'établissement d'un État des droits. L'État des droits veut dire quelqu'un qui vole, on l'arrête. Ce n'est pas un problème. Ok, de Cocholé, est-ce que pourquoi ils ont pas congolais mingi baso ko s'inquiéter muki baso lo baké ce qui les lo na mbongo yo ndeko Vital Kamere azui ebele ya mbongo wana asali misala wana ti ce qui les lo ebimaki na signature ya chef de l'état ce qui les lo etanga miki atangi justice et mimi et na niveau que atangi na komo ya Félix na kati wana et ozala boni bon heureusement question za soki mais na répondre ka pona répondre na ba question a soki te na répondre ba question za direct pour te répondre d'abord. Selon la constitution congolaise, le président de la République n'est pas pénalement responsable dans la juridiction, ils à la vol, ils à la pas, ils à la volonté. Le président de la République, selon la constitution congolaise, a une seule infraction que la justice peut l'interpeller. On appelle cette infraction la haute trahison. Et quelle juridiction peut interpeller le président de la République? C'est la Cour constitutionnelle. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, on ne peut pas citer le nom du président de la République. Parce que le président de la République, Azad dictateur, était que Makamounou soit à la centraliser par rien. Et le président de la République, quand il libère, et le procureur de la République a posé à l'une des questions à M. Vital Kamere. Ça, c'est la question numéro 4. Savez-vous, M. Vital Kamere, que vous avez signé un accord avec le président de la République de ne pas trahir le peuple congolais? Vital Kamere a répondu oui. Et procureur a besoin ici sous. Est-ce que Bambongo Oitan Ozalaki Kobimisa? Ozalaki Kozo accord et président de la République, Vital Kamere lobby? Non. Vous voyez donc, le nom du président de la République ne sera jamais cité. D'accord. Micro na biso ya Congo Direct TV yango officiel yango ane pa na yo meka ko lobali loba moko pona ba congolais nyonso ba na diaspora nyonso ba za ko landa yo ndeko chole na monde entier situation o izole ka ndeko ya Vital Kamere. Bandeko na pesi bino mbote, merci mingi na yo journaliste ya mayele ndeko nanga David Mombele vraiment na sepeli une information na lingina mettre ka en garde bakulu na moko bazana Sud Kivu bakomi lettre mo balubi boy attention tous les baluba entre parenthèses les Kasaïens qui résident Bukavu et les 8 territoires sont obligés de quitter le Sud Kivu dans les 48 heures à dater de ce samedi 11 avril 2020. Dépasser ces délais, nous procéderons à l'ère des capitations, à l'ère frère Félix Tshisekedi de prendre ses responsabilités quant à ce, avant que le pire ne leur arrive. Je mets en garde tous les membres de l'INC, tous les communicateurs de l'INC, parce que Bangonde va circuler lettre Oyo pour le tribalisme. Or, notre lutte est de conserver l'unité nationale.
de conserver bah bien on a bah pesa biso de reconnaître que la province du Sud Kivu et du Nord Kivu, c'est ça qui compose toute entière la République démocratique du Congo. Merci à vous les grands journalistes internationaux, merci na peuple congolais balandi biso en direct boza la calme dossier vital caméra papa yoyo azana makala kobimate. Bye bye, je vous aime trop. Merci ndeko na biso na moni et saline ndeko na biso pe Leon Mboma a posé question mais te comment magina suka déjà ndeko na biso Leon Mboma na Autriche mais kai ko tuna papa chou leke kozana kabila na kata Congo est-ce que zaka alikama tokozalana kabila jamais la politique que nous menons c'est que kabila avait préparé quand il était le président de la république papa na biso peut-être a invité ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est en train de protéger kabila kabila s'est protégé d'abord lui-même au moment où il était le président de la République. Et Zaki na statut moko ebimaki balobaki statut qui protège tous les anciens présidents de la République en vie. Or, en République démocratique du Congo, nous n'avons qu'un seul président, ancien président de la République en vie, c'est Joseph Kabila. Ça, c'est l'article 3, l'article 18 et l'article 7. Il y a statut protégeant les anciens présidents de la République qui protège Joseph Kabila. Pour arrêter Kabila, il faut d'abord l'Assemblée nationale. Babanana Kobuka. Statiwana, après la justice fera son travail. Nous sommes là à un établissement d'un état de droit, c'est-à-dire le respect des principes. Dès que Félix Tshisekedi commence à violer même ses statuts, même les lois de la République, même la Constitution, ça c'est là la violation, on ne peut plus parler d'un état de droit. Merci vraiment de collaborer sur Cholé. Il y a IDPS. J'espère que Pesibino vraiment Makamunyon sobo zakina ou bakeso nyon sobo tunanga ki orozon de Cholé n'engenini même na singa n'zela ya singa. En tout cas, te remercier mingi nzambe apa molayo. Numéro na biso ya bureau na ya Grèce na ya Paris nyon sumi balé osana ngo en cas de quoi te kozonge lao du souci il y a quelque chose vraiment. Merci vraiment na Léon Boma na Autriche place Azali. J'espère à l'andia moi très bien. Merci na binonyon sobo zaba abonné na biso nakati ya 3 fois W Congo Direct TV officiel na Arnold Mvuma place sur la biso antenne nakati ya Paris. Merci, c'est parti. Arnold Mvuma. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo situé au numéro 137 rue André Carman 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07.